La tour. Alors cette carte, elle peut aussi être considérée comme une carte un petit peu, j'allais dire, brusquante. Hein. Il y a cette notion-là de surprise, de perturbation, de... Enfin, c'est quelque chose qui se passe tout de suite, j'allais dire un peu le mot catastrophe, mais il faut pas le voir non plus comme quelque chose de négatif parce que ça peut être dans les deux sens. Donc là, on voit la tour, elle se prend un orage, elle se casse complètement, mais on voit le personnage qui en sort. Donc, on peut se dire que ce personnage était prisonnier à l'intérieur. Donc, ça veut pas dire que si la situation se change de manière immédiate ou violente, ça ne va pas mener vers une jolie situation. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le tour du tarot en 78 jours, donc je vous lis un petit passage. Donc la tour dit, le moment est venu, c'est maintenant ou jamais. Tous ces plans parfaits ne vous ont mené nulle part et vous allez devoir tout recommencer. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est peut-être exactement ce qu'il vous faut pour vous mettre sur la voie d'un meilleur avenir, celle sur laquelle vous auriez dû être dès le départ. C'est une vraie sonnerie de réveil, alors levez-vous, allez de l'avant et transformez votre vie. Donc voilà, c'est vraiment des étapes de vie qui sont paf. Enfin, il y a ce côté avant-après avec la tour. Il y avait un avant, une situation avant, et puis vous allez basculer dans une situation après. Mais il faut pas voir la chose de manière catastrophante. C'est vraiment, ça peut être, et souvent ces situations amènent vers du positif quand on sait voir le positif.